Pour fêter ses 46 ans, Charlène de Monaco a été conviée en plein marché au cœur de Monaco ce jeudi 25 janvier 2024. Entourée de son mari Albert II et de leurs enfants, la princesse était ravissante dans un look qui fait subtilement écho à celui de sa fille chérie Gabriella. Ce jeudi 25 janvier, la princesse Charlène de Monaco a soufflé ses 46 bougies. Une occasion que les monégasques n'ont pas voulu laisser passer, en célébrant en compagnie de leur princesse son anniversaire dans un des quartiers les plus fréquentés du Rocher. La princesse Charlène a fêté ses 46 ans à la fois simplement et très bien entourée. L'épouse du prince Albert II a soufflé ses bougies ce 25 janvier 2024 en présence de sa famille et a affiché un charmant sourire pour l'occasion. Elle a choisi de faire une belle apparition dans un lieu de prédilection des monégasques, le marché de la Condamine. Plus précisément, c'est non loin du coin des fromagers que l'ancienne nageuse olympique a posé avec son époux et leurs adorables jumeaux, Jacques et Gabriella, 9 ans. Charlène de Monaco a sorti à sa fille Gabriella réchauffée par une doudoune sans manches beige au tissu lamé Max Mara et un pull gris. Charlène de Monaco était joliment assortie à sa fille, parée d'un manteau de laine camel Max Eco et d'un col roulé dans les mêmes tons. Si les tenues de mère et fille se font parfois écho, cela n'est jamais systématique, laissant à la jeune Gabriella le choix de porter ce qu'elle aime. Jacques portait lui un sweat blanc immaculé tandis que le souverain avait opté pour un classique et élégant costume cravate. Devant eux, une belle pièce montée ornée de jolis papillons. Des journalistes de Monaco Matin étaient présents sur les lieux, surprise pour les habitués de la halle du marché de la Condamine, ce jeudi, pour le déjeuner. C'est cet endroit du cœur populaire de la principauté que la princesse Charlène avait choisi pour célébrer son anniversaire. Elle a déjeuné en famille au marché de la Condamine. Un repas conclu par un gâteau présenté au couple princier et à leurs enfants sur une pièce montée. Proche des gens de sa principauté, Charlène montre à quel point elle se sent bien aux côtés de ses concitoyens. Remarquée très complice avec sa belle-sœur Stéphanie lors d'un match caritatif il y a quelques jours, la Sud-Africaine a été adoptée par le Rocher, se montrant toujours plus investie lors des différents événements qui rythment le quotidien de Monaco. L'année dernière, le centenaire de Régnier III lui avait permis de faire un retour en force, très loin de ses ennuis de santé liés à une infection ORL. L'année 2024 promet toujours plus de belles occasions pour Charlène de briller, en solo, en couple ou en famille.